La rencontre. Chaque semaine, à travers toute la France, les bénévoles du réseau Angelus annoncent la bonne nouvelle. Deux par deux, équipés de médailles miraculeuses, de cartes de prière et de dépliants missionnaires, ils vont à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager les pépites vécues par Jeanne et Charles. Samedi dernier à Paris, ils ont fait de nombreuses rencontres marquantes devant la gare Saint-Lazare. Tout particulièrement celle d'Ahmed, né d'un père musulman qu'ils qualifient d'ouvert et d'une mère de tradition catholique. Ses parents l'ont laissé choisir, alors il a décidé d'être catholique, mais il continue de se poser énormément de questions sur les religions. Aussi, il témoigne des difficultés à travailler dans le cinéma, d'être témoin de sa foi dans ce milieu artistique athée. Jeanne et Charles ont donc prié avec lui pour qu'il trouve la force de persévérer dans sa foi. Ils ont également rencontré Ali, un jeune turc d'Allemagne. Très enthousiaste, il leur a posé beaucoup de questions sur Marie, ses différences avec Mariam dans le Coran, et ses apparitions, notamment celle de Lourdes. Jeanne et Charles lui ont répondu du mieux qu'ils pouvaient, et il leur a promis de se rendre à la rue du Bac, lieu d'apparition mariale parisien qu'ils ne connaissaient pas. Merci Seigneur pour ces rencontres. Prions ensemble pour Ali et Ahmed que le Saint-Esprit continue de les guider sur ce chemin vers le Christ. La rencontre.